Abduktion der kleinen Rebecca ist nicht gelungen. Das Mädchen gestorben. Das und mehr gleich nach dem Programmhinweis bei Hallo Deutschland. Bien vie. La 4. La 4. Ok. Nadia. Sur les 4 clés que vous avez récoltées dans la manche précédente, vous en avez déjà retrouvé 2. Vous avez donc 2 casse-portes d'avance. Ce qui vous permet de jouer tout à fait tranquillement, Nadia. La 6. Regardons la 6. C'est une 3e clé. Alors, Nadia, évidemment, c'est très bien, mais ça n'élimine pas les casse-portes. Je vous rappelle qu'il y en a quand même 7 en tout, malgré tout. Allons-y. La 12. Case 12. Et voilà. Bon, c'est une première porte qui ne se fermera pas, puisque vous utilisez bien sûr votre première clé. La 1. Nadia, bon. Vous avez maintenant trouvé toutes vos clés. Vous avez utilisé votre case rejouée, ce qui veut dire que dans toutes les cases que vous voyez là, il n'y a plus que des portes et 2 symboles du gain à vie. La 10. Case 10 pour Nadia. Et... les euros. Bien. La 3. Y a-t-il le dernier symbole du gain à vie sur cette case? Non. C'est une porte. Donc, vous avez utilisé une de vos clés. Il vous en reste encore 2. La 9. Le symbole du gain à vie ou non? Non. Vous pouvez encore vous tromper. La 15. Y a-t-il... Je vous demande, Nadia, de me confirmer cette case. Oui. C'était ça. Et c'est encore une porte. À partir de maintenant, vous n'avez plus de clé, donc autrement dit, plus de joker, hein, en résumé. Vous avez 4 cases sur votre tableau. Il y a l'île paradisiaque derrière une de ces 4. Derrière laquelle? La 7. Vous confirmez? La 7. La 7. Vous remportez le gain à vie, Nadia. Voici l'île paradisiaque qui s'affiche sur ce mur. Et j'ai le plaisir de vous annoncer qu'à 19 ans, Nadia vient de remporter 2000 euros pendant tout le restant de sa vie. 2000 euros à vie. Applaudir Agnès également, sa maman. Grâce au tac au tac gagnant à vie, une formidable gagnante, une partie magnifique et une finale exceptionnelle. Rendez-vous évidemment samedi prochain sur France 3 pour pourquoi pas avec vous un nouveau gagnant à vie aussi brillant que Nadia. Merci et bravo. Coupe Davis 2004. Simple décisif dans l'engagement France-Croatie. Il faut sortir vainqueur de ce premier tour. Demain à 12h50 en direct sur France 3. Toute la beauté du sport sur France 3 avec les magasins But, partenaires des arbitres. Et retrouvez sur France 3 les actions les plus spectaculaires avec Tegel de Neutrogena. Performance et émotion surtout, c'était aujourd'hui à Oberhof en Allemagne. Liv Grete-Poiret et son mari Raphaël viennent de décrocher les 2 premières médailles d'or au championnat du monde de biathlon. On les retrouvera plus longuement à la fin de ce journal. Bonsoir, la France a repris, et c'est une bonne nouvelle, l'avantage en Coupe Davis face à la Croatie. SQD et Liodra ont facilement remporté le double cet après-midi à Metz, 3-7-0. Michael Liodra est transcendé, c'est le cas de le dire, depuis quelques semaines. Nicolas Vinoy, reportage.
Ce n'est pas une révélation, mais plutôt une confirmation. Confirmation qu'à 23 ans, Mikael Jodra est en train de prendre une nouvelle dimension dans son jeu, comme en équipe de France. Fort d'un deuxième titre à l'Open d'Australie en double aux côtés de Fabrice Santoro dimanche dernier, le Français s'en va cet après-midi impressionner tout son monde, à commencer par son compagnon de double. Il a été présent du premier au dernier point. Sur toutes les balles de break et points importants, il a répondu présent avec pratiquement du 100%. Je comprends mieux pourquoi il a gagné de grands chelems. Reste que la qualité de la paire française tient également au très bon niveau de jeu de Nicolas Escudé. Deux Français très solides en retour notamment. Tout ça pour un constat évident à l'heure actuelle. Les partenaires changent, mais pas les résultats pour Mikael Jodra. Et aujourd'hui, même si je ne jouais pas avec Fabrice, je pense que mon niveau de jeu est resté le même. Et voilà, je crois que quand on a confiance et qu'on se fait plaisir sur le terrain, tout s'enchaîne. Et aujourd'hui, le principal, c'est que c'était la victoire et c'est ce qu'on en avait bien besoin. Donc c'est chose faite et on est très contents. Score final 6-1, 7-6, 6-3 pour un deuxième point français dans cette rencontre contre la Croatie qui se déroule pour l'instant conformément aux prévisions du capitaine Guy Forget. Voilà, la victoire, vous l'avez compris, se jouera demain dans les deux derniers simples à suivre sur France 3 à partir de 12h50 en direct. Le foot maintenant avec les deux premiers matchs de la 23e journée, c'est la Ligue 1, vous l'avez compris. Hier soir, Bordeaux s'est donné un peu d'air, comme on dit, en battant Nantes. Et tout à l'heure, l'OM a eu très chaud face à Ajaccio. Erwan Lemoine, les images. Ils n'étaient manifestement pas nombreux à croire qu'Ajaccio pouvait obtenir un bon résultat à Marseille. D'autant moins nombreux que dès la 11e minute, Mido profite d'une frappe de Drogba repoussée par Trevisan pour ouvrir le score. Une heure plus tard d'un match insipide, mais néanmoins dominé par l'OM, Sec égalise contre toute attente sur un magnifique cafouillage. Les supporters ajacciens aussi se sont mis en 4, les Marseillais apprécient modérément. À la dernière minute de jeu, sur une passe involontaire de Colin, Steve Marley récupère le ballon et s'en va battre Trevisan. Belle démonstration d'opportunisme, l'international glisse son pied entre les jambes de Sec qui pensait certainement protéger la balle. Victoire finale de l'OM 2-1. Dans l'autre match avancé, hier soir, Bordeaux-Bas Nantes 2-0 au début de Francia sur coup franc, puis Riera au terme d'une chevauchée solitaire. Les Girondins relèvent la tête après la difficile semaine dernière et chipent pour le moment la 7e place à Nantes. Et tout de suite, la Coupe d'Afrique des Nations à l'heure des demi-finales, déjà avec le choc attendu. Tunisie-Sénégal et les retrouvailles entre Roger Lemaire et Guy Stéphan. En 2002, souvenez-vous, lors du Mondial, ils étaient tous les deux aux commandes des Bleus. Aujourd'hui, ils étaient face à face. Malheur aux perdants, Martial Fernandez. Roger Lemaire cache sa joie et tourne le dos à la défaite, heureux d'une victoire face au Sénégal. Oubliez la Coupe du Monde 2002, cette fois son équipe, la Tunisie, s'impose 1-0. Drôle de match, du brouillard, 10 minutes de temps additionnel et un unique but inscrit par Mnari à la 65e minute. La Tunisie de Roger Lemaire bat le Sénégal de Guy Stéphan et se qualifie pour les demi-finales sans briller. Autre quart de finale, Mali-Guinée. La Guinée, en blanc, marque en premier. Déviation de Titi Camara pour Pascal Feindouno. Un bon départ. Mais la suite est plus difficile. La défense guinéenne a des ratés. Frédéric Kanouté en profite. Juste avant la pause, le Mali égalise à un but partout. Dans le temps additionnel, le joueur de Lyon, Diarra, offre la victoire au Mali sur une erreur du gardien guinéen Camara. Pour la deuxième fois consécutive, le Mali jouera une demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Du biathlon maintenant et la famille Poiret, vous l'avez vu tout à l'heure au Zénith. Liv Greteux Poiret et son mari Raphaël ont donc remporté les deux premières médailles d'or des championnats du monde, une perf qu'ils avaient déjà réalisée en l'an 2000. Martial Fernandez, André Garcia. Le même geste au bout de l'effort, la même souffrance, le même nom, Poiret. Madame et monsieur champion du monde à 4 heures d'intervalle, oui, ce couple a du talent et le brin de chance qui va avec. Le français Raphaël Poiret, 10 sur 10 au tir aujourd'hui. Quand il s'élance, sa femme Liv Greteux a déjà gagné pour la Norvège. Il part, à son tour, pour un sans faute, un quatrième titre mondial et une joie partagée. La victoire de ma femme me suffisait, mais là c'est quand même... Je suis prêt à repartir ce soir chez moi, ça suffit. Quelle famille et quel palmarès. Liv Greteux devient pour la quatrième fois, elle aussi, championne du monde. Un an seulement après être devenue maman. Les Poirets sont au sommet. Demain, ils remettent ça avec l'épreuve de poursuite. Autre exploit et belle surprise aujourd'hui en France, à La Clusaz. Les Français ont remporté à domicile le relais 4 x 10 km de la Coupe du Monde de ski de fond. Et oui, c'est une première. Tibor Isman.
Succès historique cet après-midi des Français à la Clusaz Relais. 4 fois 10 km messieurs en ski de fond et une première victoire tricolore dans l'histoire de la Coupe du Monde. Toute l'année, on a une bande de copains. Je crois qu'avec le travail de Roberto depuis 6 ans, on a essayé de former cette équipe. Elle progressait, on avait du mal à concrétiser. Et chez nous aujourd'hui, porté par notre public, on gagne. Et c'est carrément historique, c'est énorme. 8e journée du championnat de France de rugby, Stade français Castres. Tout s'est joué ici sur cet essai, le dernier inscrit par David Skrela. Les Parisiens restent en course et remontent à la 5e place du top 16. En revanche, Montferrand n'a plus le droit à l'erreur après sa défaite à Pau, 15-19. Coup double pour Laurent Brochard lors de la 4e étape de l'étoile de Bessèges. Le Sartois d'AG2R remporte donc l'étape, longue de 150 km et endosse en même temps le maillot orange de leader au classement général. Et un record de plus pour Vanessa Boslak, le 6e de sa carrière. Cela s'est passé hier soir à Aubonne lors de la réunion d'athlétisme en salle. 4,46 m pour la Lillois, soit 1 cm de plus que son précédent record. Elle échoue en revanche pour son essai à 4,51 m. On est toujours contente de faire un record de France, hein. C'est toujours une bonne perf. Donc voilà, 46, maintenant 51, un petit peu de regret sur les deux premiers essais parce que c'était pas loin. 30e édition du tournoi de Paris, l'Arbi Ben Boudaoud s'incline en demi-finale, catégorie moins de 66 kg. Bercy rimait avec ultime entraînement pour le vice-champion du monde avant les JO d'Athènes. Et tout de suite, direction la Suède pour, vous l'avez compris, le championnat du monde des rallyes. Sébastien Loeb a fait sensation en réalisant un sans faute dans les 8 spéciales de la journée. Mais attention, car derrière, juste derrière, Marcus Grönholm et la Peugeot reviennent très fort. Pierre-Henri Brandet. Dans la série J'interromps le point presse de Sébastien Loeb, voici la méthode de Guy Fréclin, le patron de l'écurie Citroën. Une petite photo de Grönholm, histoire de rappeler au pilote français qui est désormais son rival le plus dangereux. Loeb contre Grönholm, voici la nouvelle donne dans ce rallye de Suède. Après la sortie de route de Marco Martin cet après-midi, Sébastien Loeb a pris la tête de l'épreuve. Ce soir, il possède 40 secondes d'avance sur le Finlandais. C'est clair que lui, il attaque très fort et dans un rallye comme ça... Si tu sors un petit peu du rythme et que tu perds un peu confiance, tu peux perdre très vite beaucoup de temps, quoi. Donc il faut vraiment rester à l'attaque. À l'attaque, l'Estonien Marco Martin sur la Ford Focus s'y était aussi. Une erreur de trajectoire, une roue arrachée et sa première place s'est évanouie dans une forêt suédoise. En revanche, Marcus Grönholm, vainqueur ici à 3 reprises, pensait ne plus pouvoir jouer la victoire après ses ennuis d'hier. À l'issue de la 2e étape, la 307 en plein développement du Finlandais occupe la 2e place du général. Et pas question chez Peugeot de s'en contenter. Non, mais en plus, donner des consignes à un pilote comme Marcus qui rêve de continuer sa série ici en Suède et nous avec lui, ça serait vraiment désopilant. Le match Loeb-Grönholm se poursuivra demain sur 97 km de spécial vert glacé et enneigé. Et si demain, au terme des 6 dernières spéciales, Sébastien Loeb arrive à conserver la tête, il réussira un exploit historique en étant le premier pilote non nordique à s'imposer en Suède. Voilà, si vous aimez le sport, vous saurez tout. Grosse journée demain sur la 3 avec, dès 12h50, vous le voyez, la Coupe Davis, suivie du trophée Andros, du judo et du patinage. À 20h30, vous n'oubliez surtout pas Objectif Olympique consacré au judo. Stade 2, c'est comme tous les dimanches aux alentours de 18h, 17h55 exactement. Bonne soirée sur France Télévisions. On salue tout de suite Jean-Luc Vandenède qui vient de passer le cap de Bonne-Espérance. Le marin Picard et son bateau Adrien s'attaquent au record du Tour du Monde à l'envers et il possède actuellement 24 jours d'avance sur le record de Philippe Monnet. Bon vent, salut! Retrouvez sur France 3 les actions les plus spectaculaires avec Tegel de Neutrogena. Et avec les magasins But, partenaires des arbitres. L'Europe s'agrandit, il est temps de mieux connaître nos voisins. Champion d'Europe, c'est tout de suite sur France 3. Gazole augmente, oui, mais bon, les diesels baissent chez Seat, alors... Cet homme pourrait être l'assuré idéal. 20 ans de permis, jamais un accident, une situation stable. Seulement voilà, pour nous, à la Maïf, il y a un problème.
Ces valeurs ne sont pas les nôtres. À la Maïf, ce qui nous unit avec nos assurés, c'est le respect de la personne. Et ça fait 67 ans que ça marche. Rejoignez-nous. Maïf, assureur militant. À 20h55 sur France 3, une part d'ombre flotte sur Nils Arestrup. A-t-il poussé son beau-père à la ruine et au suicide? Joue-t-il double jeu en amour comme en affaires? À 23h après soir 3, suivons Mino, tétraplégique, qui croque la vie à pleines dents, mais veut aussi choisir le moment de son départ. À 23h55, refusant les leçons d'informatique des envahisseurs, David Vincent devra tous les bugger. De l'ombre devra surgir toute la vérité ce soir sur France 3. Bonsoir. Champion d'Europe a choisi aujourd'hui de vous parler de la religion dominante parmi les 25 pays de l'Union, la religion catholique. Nous nous sommes demandé quelle est la nation la plus forte pour remplir ses églises. Quels sont les citoyens qui pratiquent le moins? Et dernière question, dans quel état consacre-t-on le plus de prêtres? Vous avez 20 secondes pour trouver. C'est parti. Eh bien, le vainqueur, le pays qui remplit le plus ses églises, vous l'avez peut-être deviné, c'est la Pologne. 75% des catholiques y sont pratiquants. Vous pensez qu'ils arrivent en tête parce que croire chez eux est une tradition? Eh bien, pas seulement. Les paroisses rivalisent d'ingéniosité pour attirer le plus de monde possible. En fait, elles se font carrément concurrence. Chez les Chironnes, le dimanche est un jour très important. La famille se retrouve pour se rendre à l'église. C'est un rite immuable auquel personne ne songerait à déroger. Je n'imagine pas qu'il puisse en être autrement, car depuis que je suis toute petite, je vais à la messe avec mes parents et mes grands-parents. C'est notre tradition et nous y tenons vraiment. Pour moi, aller à l'église, c'est un vrai moment de bonheur. C'est comme rencontrer un ami. Et les églises polonaises font le plein. Dans cette paroisse de la banlieue de Cracovie, 5 messes seront célébrées dans la journée. Elles sont toutes suivies avec ferveur par des fidèles avertis et exigeants. C'est assez difficile d'être prêtre en Pologne, car les paroissiens en quête de Dieu sont nombreux. Ils attendent beaucoup de nous sur le plan spirituel, mais aussi intellectuel. Le clergé tient tout particulièrement à ne pas se couper de la jeunesse en organisant de nombreuses activités en dehors de l'église. On nous propose beaucoup de choses, des rencontres spirituelles, des voyages à l'étranger, mais aussi du sport. Dans un pays à peine sorti du communisme et pas encore entré de plein pied dans le capitalisme, l'église demeure indéniablement une valeur refuge pour de nombreux Polonais. C'est en Slovaquie que l'on ordonne le plus de prêtres dans l'Union, c'est en Italie qu'il y en a le plus grand nombre, mais en Italie comme en France, les ordinations sont en chute libre, moins 13% depuis 5 ans. La Pologne est l'un des seuls pays où l'on se bouscule pour devenir prêtre, alors la sélection est terrible, les séminaires mettent même leurs futurs prêtres en compétition. Tomasz Marcinez-Boniek devrait être ordonné prêtre dans 2 ans. Ce sont en quelque sorte des rescapés, car dans les séminaires la sélection est rude. Au cours des 3 premières années de formation, 1/3 des étudiants est renvoyé à la vie civile. Ici on vise l'excellence et la compétition est admise par tous. Je pense que c'est normal et c'est bon. Je pense. Il ne faut pas exagérer le rôle de la compétition, mais quand il y en a un peu, ça peut faire du bien. Vous savez, si ici les prêtres sont bons, c'est parce que la barre a été placée très haut. Quand vous avez un prédécesseur qui est devenu pape, on se doit d'avoir un niveau irréprochable. Si les séminaires peuvent se permettre d'être aussi sélectifs, c'est bien que dans ce pays, la crise des vocations n'existe pas.
Mais l'Église polonaise ne veut pas pour autant s'endormir sur ses lauriers. Elle essaie aussi de préparer l'avenir et de ne pas rester repliée sur elle-même. Nous préparons l'avenir. Prochainement, nous allons accueillir dans cette chapelle des enfants de chœur et des lycéens pour qu'ils puissent découvrir le séminaire. En fait... Le goût du...